L'objectif de notre ambassade, sous l'autorité de l'ambassadeur et du conseil culturel, est très clair et très simple. Nous devons au mieux faire la promotion de notre langue, faire la promotion des échanges avec les universités françaises, essayer de lier tout cela avec la promotion évidemment économique, mais aussi politique. Bref, surfer sur l'engouement que les Indiens ont pour la langue française. Vraiment ici, on a beaucoup beaucoup de chance et je veux que aussi bien nos compatriotes en France que le ministère l'entendent. Les jeunes Indiens apprennent le français de manière absolument naturelle. C'est la première langue et de loin apprise avec plus d'un million d'apprenants. Ensuite vient un peu dans le désordre, je dirais, l'allemand, le chinois, le japonais. Vous êtes boulanger, ça va? Et vous venez pour acheter quelque chose? Je voudrais de la baguette et du pain. Et vous? Je voudrais un gâteau au chocolat. Pour l'argent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Très bien, très bien. On est bien conscient que le français est une langue évidemment belle, agréable, qui fait penser à des choses tout à fait favorables, mais c'est surtout une langue qui nous permet, c'est ce que me disent les jeunes Indiens, qui me permet d'avoir un travail intéressant, soit en Inde, dans les nombreuses entreprises françaises filiales, mais aussi à l'étranger et aussi en Afrique où l'Inde investit de plus en plus et a donc besoin d'avoir des cadres intermédiaires francophones.